Oui. Chut, mais ça filme là. Bah, c'est pas grave, tu peux prendre montage. Bah chut maintenant. Salut les filles, donc une petite vidéo pour vous présenter les petits produits que j'ai commandés chez Sephora. Donc, je suis très très contente. Alors je vous fais voir un petit peu comment c'était emballé. Ce que j'ai demandé la boîte en fait, vous avez commandé sur Sephora. Vous avez le choix entre le sac Sephora classique ou la boîte pour l'emballage. Et donc elle est super parce que je vais m'en servir comme rangement. Donc elle est aimantée devant. Voilà, donc elle ferme comme ça. Voilà, et vous l'ouvrez. Et dedans, vous avez le trésor. Alors, donc j'ai commandé des fards à paupières Sephora qui étaient... tout ça en solde, évidemment. Qui étaient en solde donc sur le site. À 1€ au lieu de 10. Donc c'est quand même relativement intéressant. Alors, on a le Colorful Monochrome numéro 7. Qui est comme ceci. Qui est magnifique parce qu'il a des espèces de petits reflets un peu verts. Je ne sais pas si vous allez voir. Montrer. Voilà. Il est vraiment très joli. Pas très pigmenté. Mais bon, ça c'est ce que je reprocherais un peu au fard Sephora. Dans l'ensemble, en tout cas dans tout ce que j'ai. Et voilà. Colorful Monochrome numéro 4. Pareil, avec de très jolis reflets irisés. Reflets verts également. Comme ceci. Et alors celui-ci, c'est la surprise. Puisqu'en fait, j'avais pas commandé ça. Et bah, dans ma petite boîte, il y avait ça en cadeau. Donc... hormis les échantillons, puisqu'on vous avez le choix pour choisir 3 échantillons à chaque fois que vous commandez sur Sephora. Mais il y avait ça en plus en cadeau. Donc c'est un fard matte Colorful Mono numéro 4. Voilà, donc c'est pas mal parce que je vais pouvoir l'utiliser en guise de base pour unifier la paupière vu qu'il est très naturel. Ou pour faire des nudes. Voilà, donc j'ai trouvé ça sympa. Petit cadeau de la part de Sephora. Ou une erreur, hein, allez savoir. Ensuite, donc j'ai commandé un baume pour les lèvres, Helena Rubinstein, donc, qui est censé repulper les lèvres, enlever les petites ridules de déshydratation, et il a des très jolis reflets roses. Donc je suis très contente, puisque là j'ai eu le temps de l'essayer un petit peu. Je l'ai laissé toute la nuit. Et vraiment le matin, les lèvres étaient hyper repulpées, super douces. Non, franchement, il est vraiment bien. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà. Et ça tient très bien sur les lèvres. Et puis bah là, j'en ai... je vais vous montrer en direct, pour que vous puissiez voir un petit peu la couleur. Voilà, je sais pas si vous pouvez bien voir. Donc vous voyez qu'il est vraiment très très naturel et j'aime beaucoup l'effet qu'il laisse. Il n'est pas du tout collant sur les lèvres. Donc il les fait briller mais il n'a pas le désavantage d'un gloss. Et puis il repulpe les lèvres. Donc voilà. Et le meilleur pour la fin, j'ai commandé... Alors c'est un kit barre minérale. Ça se présente comme ça. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des poudres minérales totalement naturelles. Donc, pas de conservateurs, pas d'additifs. Voilà. Alors voilà le kit. Donc vous voyez qu'il est composé de 3 pinceaux plus 4 poudres. Donc on a le pinceau... qui s'appelle le pinceau Kabuki. Voilà. Qui sert pour le blush et puis pour éclairer les zones du visage souhaitées. On a un pinceau comme ça. Voilà. Ils sont très bien. La qualité, moi j'aime beaucoup la qualité des pinceaux. Et un petit pinceau comme ceci. Pour ils préconisent de l'utiliser pour contour des yeux et masquer les petites imperfections éventuelles. Toujours avec la poudre. C'est ça qui est étonnant, c'est que la poudre, en fait, malgré le fait que ce soit une poudre, couvre pas mal, quoi.
Alors, donc dans les poudres, justement, donc on en a 4. On commence, alors, petite chose importante, avec le kit. Mmh. Vous avez un petit livret explicatif, donc comment appliquer toutes ces petites poudres, la marche à suivre, et vous avez même. Attendez, je vais pas. Un CD-ROM. Voilà. Donc où, là par contre ils répertorient donc toutes les poudres minérales différentes. Donc le fond de teint, les poudres que j'ai moi et également les poudres pour les yeux. Et franchement c'est top quoi. Ça fait pour les filles qui adorent se maquiller de façon naturelle. Enfin, moi je suis très 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 satisfaite de ce petit kit. Donc moi j'ai que les poudres qui permettent de parfaire le teint. Alors la première. On va commencer par ce qu'ils préconisent au départ, quand vous commencez à faire l'application des poudres. Que je ne me trompe pas. Voilà, donc la première qu'on utilise, c'est celle-ci. Qui est censée donc éliminer toutes les zones du visage qui sont dans l'ombre. Donc ici, les cernes, et puis, je ne me trompe pas, non, c'est tout, c'est tout. Et les petites, vous pouvez en mettre également sur toutes les petites rougeurs. Ensuite, vous avez la poudre bronzante. Donc, c'est très, très, très naturel. Ça fait vraiment pas du tout orange. Je ne sais pas si vous pouvez voir la couleur. Ça fait vraiment comme si vous aviez pris un petit peu le soleil. Donc, celle-ci, on l'applique avec ce pinceau-là sur toutes les zones qui prennent en règle générale le soleil. Donc, les pommettes, le front, le nez, le menton. Voilà. Ensuite, on a celle-ci. Qui s'appelle Pure Radiance, qu'on applique en forme de 3 sur le visage, donc pas un seul côté évidemment, hein, les deux côtés forcément, et donc bah, vous l'appliquez et ça donne des reflets, des très jolis reflets au visage, ça illumine, ça parfait un petit peu, ça va venir en plus tenir tout ce qu'on a fait précédemment et ça va venir parfaire le maquillage. Et la dernière poudre, c'est pareil, c'est une poudre qui est un petit peu irisée, que vous appliquez partout avec ce pinceau-là. Donc sur tout le visage. Et ça va donc unifier, faire fixer votre maquillage, et donner des beaux reflets irisés au visage. Et moi j'adore quand ça donne des petits reflets irisés, je trouve ça mais super joli. Voilà pour ce petit kit. Donc franchement, alors je ne sais pas s'il est encore disponible sur le site. Vous allez voir, parce que moi j'ai commandé le premier jour des soldes, pour être sûre d'avoir ce que je voulais. Et, mais en tout cas, c'est vraiment super. Quoi. Je suis vraiment super contente. Et je vais peut-être même prendre le fond de teint, parce qu'en fait je me disais que c'était pas couvrant, pensant que c'était une poudre. Et quand vous regardez la vidéo, c'est édifiant. Quoi. Ils font des tests avec 4 nanas qui ont un type de peau différent. Et finalement bah, la poudre est couvrante quoi. On en met évidemment en fonction de l'effet souhaité, on en met plus ou moins, mais ça a l'air vraiment pas mal. Donc je vous ferai un petit tuto en utilisant justement ces 4 petites poudres. Donc pas aujourd'hui parce que j'ai pas le temps, mais peut-être demain ou lundi, je sais pas, tu vois. Voilà, bah, donc en tout cas n'hésitez pas à commander chez Sephora, parce que bah, franchement ils m'ont même offert un petit bon de 7€ pour ma prochaine commande. Alors par contre hein, c'est pour toujours un minimum de 70€ d'achat quand même, mais bon voilà. Et puis 3 échantillons, parce qu'à chaque fois que vous commandez vous avez le choix, vous choisissez vous même vos échantillons, il n'y a pas beaucoup de choix hein, par contre, mais bon. Donc une crème Mineral Flower, ça. Une crème, un soin pour homme que j'ai pris pour mon homme, pas pour mon chat, hein, sans doute. Et la base lissante Sephora. Voilà. Donc, ben voilà, j'ai fait le tour. Donc, ben, moi je suis très très contente, vraiment des petits achats là, je suis ravie. C'est quand même bien d'être une nana parce que. On a l'enthousiasme facile avec toutes ces petites choses. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous les filles. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour la vidéo test.
concernant les barres minérales. Voilà, ciao.